Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime. Un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de fait établi, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par ton orage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je peux pas ne pas me positionner. C'est un appel à partager leur peine, mais les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On nous nourrit par l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante aux frontières des checkpoints. La liberté est agonisante. J'écris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare des familles. Les colonies se multiplient sous l'œil passif complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des trois quarts ont été pillés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, des familles entières décimées par les bombes. D'assassinats ciblés, foudroyant les civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie. Pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Raison, vie, all be. Raison, vie, all be. Andy. Raison, vie, all be.
Avec le cœur, mais aussi avec la raison. Je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partie une communauté, mais vise la politique d'un état et le silence complice du monde dit libre. Je suis conscient que dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Je ne peux que saluer leur courage et leur sincérité. Je déplore la mort des innocents de part et d'autre. Qui peut se réjouir de voir mourir des enfants? Eux qui n'ont pas choisi, s'héritier d'un monde que les adultes leur lèguent. J'écris ce texte, manifeste de mon soutien actif, mais pacifique aux Palestiniens. Pas uniquement parce qu'il y a parmi eux des musulmans, car contrairement aux idées reçues et ancrées dans l'inconscient collectif, les Arabes palestiniens ne sont pas tous musulmans. Je les soutiens parce que j'estime, avec le cœur et la raison, qu'ils subissent une injustice et qu'il est important pour eux que le monde sache, en attendant que le monde bouge. Il ne s'agit pas d'importer le conflit en France de manière stupide et violente, en s'attaquant injustement aux personnes, à leurs biens et en dégradant des cimetières. Ce sont là des choses que je ne cautionne pas et que je condamne clairement. J'espère toujours voir la paix dans la justice se lever à l'horizon. Et j'écris avec le cœur et la raison. Moi, un